On a tête collée avec Innovet et puis Blue Butterfly collaborative. Association Larkou Kajou lance une série vidéo éducative qui est réalisée dans la langue créole et puis qui est informatique comique. Une façon pour sensibiliser Timounio sur la nécessité de littératie à Claude Mathien dans le système scolaire au Gagnon. Pour continuer avec l'initiative, le responsable de l'État entre en collaboration avec Sans l'école déjà. La vidéo sera gratuite et puis disponible sur YouTube. Je vais suivre plus d'informations avec Johan Jacquet. C'est une série vidéo éducative qui fait premièrement en créole et en ticomique. Et c'est un moyen pour encourager Timounio plus à apprendre l'école, surtout même matière qui a pas appris déjà. Mathématiques, physique, sciences, géographie. Donc, dans le programme Larkou Kajou, dans la vidéo, nous rencontrons un père Marassa, Silouak Lili, qui était dans la caillou, dans un lac où il y a parlé à Beyblag. Et puis, dans tout le programme Larkou Kajou, il fait différentes conversations autour de mathématiques, géographie, des bagages pour apprendre Timon, pour faire Timon plus envie d'apprendre, mais dans une atmosphère de divertissement, de médias, et qu'à ces vidéos, à regarder télévision, et puis nous faire différents messages éducatifs au passé dans le programme Larkou Kajou. Nous faisons toute production en Haïti. Nous faisons partenariat pour le moment, c'est avec Innoved, qui est sous responsabilité de l'Université Kiskeya, ensemble avec une compagnie étrangère qui est Blue Butterfly Collaborative. Et puis ensemble avec plusieurs chercheurs, éducateurs, professeurs qui en Haïti, qui mettaient ensemble pour produire le programme Larkou Kajou de manière à ce que il fait sens pour Timounio qui en Haïti qui parle créole. Premièrement, le programme est disponible sur YouTube, sur Facebook et sur le site internet nous, qui est larkoukajou.ht. Mais en plus de ça, nous avons un partenariat avec un peu plus que 100 écoles et différentes organisations dans la communauté, dans le pays d'Haïti, qui ont même eu accès à élèves à Timoun et nous avons tout le programme gratis pour partager avec Timoun. Ambition nous, c'est pour nous avoir plus de chaînes de télévision. Qu'on y a là, nous avons environ 6 ou 7 chaînes de télévision. Nous travaillons pour nous couvrir presque tout le territoire là avec maximum de télévision qui est possible. Et puis nous faisons le programme disponible gratis pour n'importe communauté, n'importe qui organisation, que c'est l'école. Merci Johan pour précision, ça y est. On a continué avec l'information.